Coucou les amis, c'est Mademoiselle Petit Ange, donc on se retrouve, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, sur Black Ops 3. Donc on va aller en marché noir, parce que j'ai, voilà, comme on peut voir, 32 clés de cryptage, parce que là ça fait 320, donc je vais ouvrir que des coffres à 10. Et j'ai également 200 codes points, donc ça m'en fait encore 2, donc ça fait 34 coffres à ouvrir. Bien sûr, il faut que je détruise les doublons, donc peut-être j'en aurai plus. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Allez, en espérant avoir quelque chose d'intéressant. Ouais, bon, c'est un colis de merde, hein. Colis standard, c'est de la merde. Allez, on continue. Donc c'est bien qu'ils ont rajouté le petit truc qui se met sur le côté à gauche, hein. Comme ça il n'y a pas besoin de ressortir à chaque fois pour ouvrir un coffre, hein, comme on peut voir là à côté, en fait, tout à gauche. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Haha. Mouvement Reaper, se vanter. Ouais, bon, un mouvement rare. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Royal, il est moche. Enfin, personnellement, j'aime pas. Bon, bah, rien d'intéressant. On continue. Ah, les colis d'OB en 10. Je pense qu'il y en a plus que d'habitude. Enfin, plus qu'avant. Donc, alors, infrarouge, camouflage, razorback. Ah, celle-là a l'air pas mal. Pour une fois, on verra. J'irai voir après. Parce que comme on le sait, avec la mise à jour, maintenant on peut aller voir ce qu'on a eu, donc c'est bien. Je trouve ça vraiment pas mal. Allez, bah là, colis pourri, tout foireux. Alors, beau jour, camouflage Brixie 205. Donc camouflage de fusée à pompe, ouais, en rare, c'est pas terrible. Nul. Soleil, camouflage, camouflage LK9. Ok, donc ça se croit que c'est un fusil secondaire, enfin pistolet secondaire. Et après, dévastation, camouflage, KRM. Ok, donc fusil à pompe, ça c'est intéressant, c'est un bon colis. Suivant, qu'est-ce qu'on va voir? Nul. Nul. Ah, adversaire inférieur, provoque Reaper en légendaire. Putain, j'ai que des provocations pour le Reaper, mais je ne joue pas avec. C'est énorme. Allez, c'est pas grave, on continue. Salade de phalange, mouvement, séraph, menacé. Séraph, je l'ai pas encore fait, donc je m'en sers pas malheureusement. Camouflage dévastation pour le Dredge 48, donc la sulfate en fait. On continue. Exécution, mouvement, ruine, menacé. Ouais, pas terrible. Non, nul, nul, nul. Ouais, bah putain, j'ai des là j'ai des colis, ils sont vraiment pas terribles. Bah, c'est vraiment à chier. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller quand même. Il m'en reste 200. Je vais l'ouvrir des colis de ravitaillement à 30 en rare en fait. Hein. Je vais utiliser mes codes points directement en espérant avoir quelque chose de bien. Gâchette rapide, mouvement, ruine menacée. Bon, je joue pas avec ruine. Camouflage XR2, tison, il a l'air vraiment pas mal en légendaire, il a l'air vraiment beau, faut que je voie ce que ça donne vraiment sur l'arme. Et j'ai gagné 5 clés de cryptage supplémentaires. Allez, c'est reparti, on continue avec les clés de cryptage normales, nul. Nuit, Outrider, Temcore, ah pas mal. C'est un de mes spécialistes préférés, donc ça me dérange pas. Et 7 clés de cryptage, allez on continue. Bon, je pense qu'avec la mise à jour... ça s'est amélioré dans les coffres à 30. Hein. Donc je crois que je vais continuer d'ouvrir les coffres à 30. Alors, attaque aérienne. Ouais, carte de visite, bof. Un autocollant, ouais. Bien joué, provoque, fear break. Je ne joue pas avec. Et 7 clés de cryptage. Allez, on enchaîne. Je vais assez vite, hein, parce que j'ai pas envie de vous faire perdre une demi-heure à regarder ce que j'ai eu dans mes colis. Alors, camouflage, enfin, matériaux. Un mouvement, ok... ouais, enfin, pas de truc, voilà, quoi, on va dire. Euh...
J'ai beaucoup de mouvements rares pour le spécialiste ruine, hein, à ce que je vois. Bon, pour l'instant, je joue pas avec énormément, mais bon. Alors, carte de visite, variante KN44 du viseur laser. Ok. Je ne joue pas au viseur laser, donc c'est tout vu. Mouvement Seraph. Allez. Non. Ouais, bof. Monochrome camouflage Argus. Celui-ci peut être vraiment joli. Il faut vraiment que j'aille voir ce qu'il donne. Ça peut être vraiment, vraiment joli. Alors, ensuite, on continue. Calmez-moi. Mouvement batterie. Scribe Reaper Thème tête. Ok, je joue pas au Reaper pour le moment, mais pour à l'avenir, ça va être sympa. Je pense. Alors, ciel, batterie, thème tête. Carte de visite, elle est assez sympa, elle est rigolote. Hein. Puis avec la lumière qui scintille, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je peux rouvrir un colis à 10. C'est parti. Qu'est-ce que je vais avoir dedans? À mon avis, je le sens mal. Voilà, je le sentais mal, hein, j'allais le dire. C'est vraiment un colis de merde. Donc, allez, on va aller voir dans Aki récemment. Donc, ouais, bof, bof. Comme je disais, là, il y avait la carte de visite qui pouvait être sympa. Là, non, non. Pff. Donc voilà, hein, j'ai pas eu bien, bien grand-chose à part la monochrome là qui pouvait être vraiment sympa que j'ai bien aimé. Alors, ouais, je regarde hein, ce que j'ai eu, d'accord. Et je peux détruire les doublons. Donc ce que je vais faire, je vais les détruire tous. J'en ai 4, je crois. Voilà. Et je peux racheter deux coffres. Enfin, oui, deux coffres. Je peux rouvrir deux coffres à 10. Tête camouflage Shiva. Donc la tempête, d'accord. Et un corps pour le spécialiste batterie. Je ne joue pas avec, mais c'est pas grave. Nul, nul et nul. Bon bah dernier colis vraiment pourri. Hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même eu des trucs assez assez bien, on va dire. J'ai eu des trucs sympas, donc je regrette pas d'avoir usé mes clés là. Après, en espérant qu'il n'y ait pas de mise à jour qui arrive cette semaine. Non, je pense pas, faut pas que ça me porte la poisse, mais bon. Alors, donc comme je disais, maintenant je vais aller passer mon prestige directement. Parce que je suis prestige 2, level 55. Donc forcément, je vais aller directement le débloquer. Voilà. Recommencer à zéro. Et c'est parti. Donc j'ai deux jetons de déblocage permanent. Donc ça, je pense que je vais m'en servir pour débloquer mes armes que je monte. En or, donc ensuite en diamant, comme par exemple je faisais avec la Shiva par exemple. J'ai aussi également débloqué une classe supplémentaire. Hein. À chaque fois qu'on passe un prestige, on a une classe supplémentaire. Après les autres ici, il faut les acheter bien sûr. Mais bon, après c'est pas bien grave. Je voulais aller juste vous montrer quand même le monochrome. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Donc franchement, je voudrais bien voir. Sur l'Argus, donc fusil à pompe, Argus, la couleur en fait du monochrome. Ah si, il est vraiment stylé avec les signes, les logos japonais là, les lettres en japonais et ça bouge dessus, franchement, il est vraiment stylé. Je regrette pas de l'avoir eu celui-ci. Celui-ci est glace, est sympa aussi, mais sans plus. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les camouflages actuels que j'ai sur chaque arme. Après, je verrai. Mais en attendant, voilà, je vous ai fait montrer ce que j'ai eu dans mes colis de ravitaillement en passage prestige 3. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous pouvez liker un max. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!